12h45, le départ est donné de Plouermel pour 152 km 700 en direction de la Loire-Atlantique. Un départ rapide avec un vent favorable et une première échappée de 3 coureurs se formera durant 50 km. Tout est à refaire après 80 km de course et c'est le gallois Owen James de Côte d'Armor, Marie Morin, Véranda Rideau, accompagné du belge Tom Dernis de Natura Forever, Roubaix-Lille Métropole qui lanceront la bonne échappée. 10 km plus loin, le coureur d'Arkea Samsic, Maxime Daniel, fera la jonction avec le duo de tête. Le peloton reviendra à 15 secondes de l'échappée, mais la pluie fera son apparition et permettra aux hommes de tête de reprendre du temps. Maxime Daniel sera écarté de l'emballage final à cause d'un incident mécanique à 4 km de l'arrivée. Et c'est Owen James qui sera le plus costaud et viendra enlever la victoire de cette 4e étape à Châteaubriant sur le papier promise aux sprinteurs. Côté classement général, changement d'épaule pour le maillot de leader remis à Lorenzo Manzin de Vital Concept B&B Hotel à seulement 500 mètres de son domicile.